formatrice au CFPPA de Hauteville-Tolosane, venant de lancer l'école du jardinage avec le SICOVAL. Et donc c'est destiné à des publics plutôt urbains, de tous les âges, mais on retrouve quand même des passionnés du jardinage globalement, avec donc des personnes aussi bien retraitées que des jeunes qui sont en demande. J'ai une de mes associées qui est diplômée en agronomie et une troisième associée qui est étudiante en ingénierie civile et en finance. Et en fait, toutes les trois ont choisi de monter un projet qui s'appelle Maraîcher du Ciel. Et l'idée, c'est d'installer des potagers sur les toits des supermarchés et des centres commerciaux. Et en fait, on a été mis en contact avec le SICOVAL dans le cadre de ce projet d'entreprise qui nous a parlé de l'école du jardinage. Et donc nous, on vient pour en apprendre plus sur le maraîchage, notamment la culture hors sol, donc qui est le thème de ce cours aujourd'hui. C'est vraiment de vendre juste en rayon. En fait, de descendre juste d'un étage pour vendre et plus de faire des kilomètres. Donc de ne pas avoir de transport, d'avoir le moins d'emballage possible. Avec le SICOVAL, en fait, on a été mis en contact, notamment par rapport au PAT, pour participer au questionnement sur les thématiques territoriales, l'alimentation locale, etc. pour s'intégrer dans le réseau en fait, d'acteurs qui veut agir, qui veut améliorer l'alimentation locale, durable, les circuits courts sur le territoire. Je suis retraité, j'étais infirmier pendant 40 ans et j'ai toujours aimé faire du potager, un peu des fleurs. J'ai toujours eu des maisons individuelles, donc avec jardin. Je fais beaucoup de fruits, je fais des tomates que je donne gratuitement le matin devant chez moi. Et voilà, et les gens, ça crée des liens. Pour moi, avoir une autonomie alimentaire, c'est important parce que je veux me faire des tomates, je vais les ramasser juste au moment où je vais les déguster.